Hey, hey, hey. Je vais remettre le son du jeu. J'ai une idée. Intéressé. Voilà. Je vois pas trop bien ce que je vais faire. J'ai trouvé une solution où il a l'air d'avoir des trucs à faire que j'ai pas fait. Qui pourra peut-être expliquer pourquoi ça fait de la merde. Genre les cendres du cœur, je les ai pas utilisées. Prendre qu'il y a quelque chose à faire ici avec ça. Quoi? Oh mon Dieu, du sang partout. Je peux me voir ici maintenant pour la première fois depuis que je t'ai rencontré. Voilà. Je sais pas si ça fait le moindre intérêt de faire ça, mais... Putain, la porte! Putain, la porte est là! Je comprends rien. Pourquoi tout d'un coup elle est là? Pardonne-moi, j'ai pas pu te sauver. Le sabotier est passé par cette porte. Je vais le suivre. J'ai rien compris! Tu sais, j'ai failli ne pas relancer de live en me disant je vais bien voir en faisant mes recherches si je trouve des objets ou quoi intéressants et je vais pas juste faire un live pour ça. J'ai failli ne pas lancer de live pour avoir. J'ai rien compris. Ton serviteur dévoué entre en ton sein, ma bien-aimée, et je ne peux me cacher plus longtemps. J'aurais bien aimé sauvegarder en fait. Parce que je crois que de là, il y a plusieurs formes possibles. Je vais mettre tout en dessous. J'ai rien compris. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup la porte est apparue? J'avais besoin de voir le... En passant par la trappe ouverte dans le sol, je me suis retrouvée dans une grotte. J'aurais dû fuir la Syrie quand je le pouvais encore. Y a pas de télé. Mais au fond, je ne veux pas. Je sens que j'approche. Alors là, il y a un bouton. Là, il y a un bouton. Toi, t'es à genoux. Ok. Il y a trois boutons. Deux genoux, un genou au sol. Ça voudrait dire que c'est deux genoux, un genou au sol. Deux genoux. Et puis...
Je me fais nickel en fait. Pas du tout. Je ne sais pas me mener quelque part. Je... Célébrant. Mais oui, mais... Heureusement, j'aurais bientôt pu les voir. Bon. Deux genoux. Un genou. Ah, et ta mère, mais pourquoi tu te redresses? Tada! Je veux pas que tu sois debout. Ah! Ouais, mais c'était... Merde. Ah, le masque est tombé. C'était elle. C'est ce masque qui m'appelait. Je dois porter ce masque. Bah... Je peux le mettre là-dessus plutôt. Je sens mieux le mettre là-dessus que sur ma gueule, hein. Je meurs si je marche là. Je vois enfin le chemin que je dois suivre. J'ai tombé. Ces dessins racontaient son histoire. Mais aussi la mienne. Je suis en train d'aller vers la bonne fin ou je fais de la merde là en fait? Je vais dans un labyrinthe hein, maintenant. Il y a un caillou là. Pourquoi t'as détruit? C'est moi. C'était moi depuis le début. Ok. Je crois qu'elle a disparu ou c'est moi? Masque de l'assassin. La posture est claire, il veut frapper le mannequin de ma femme. Il lui manque une arme en revanche. Bah, si tu veux, j'ai une hache. Tu dois l'oublier. L'oublier est le seul salut. Ta dernière lueur d'espoir. Mais j'ai beau lutter, ton esprit résiste et se noie dans les souvenirs douloureux. Il se passe quelque chose, d'où viennent ces bruits? Un maelstrom de pensées dans ma tête. Cet endroit me raconte ma propre histoire. Étais-je marié autrefois? Toutes ces visions, ces symboles, ces silhouettes étranges, tout ce que j'ai vu et perçu, tout cela avait pour but de me remémorer mon passé.
Mais pourquoi faut-il que je me souvienne? Où suis-je? Ce lieu est-il réel ou suis-je perdu dans une illusion? Quelles que soient les réponses, je sais que ma tête touche, que ma quête touche à sa fin. Tu n'es plus qu'à quelques pas, Anna, mon amour. Un berceau, il est plein de sang. Je ne comprends pas que ce que tu as fait est grave. Que tu risques de le refaire. Et que je ne peux pas te laisser partir. Là où je vais aller. Là, je pense. Il y a une lumière derrière ce coin. On dirait une bougie. Quand j'ai volé la statue à l'église, il y avait beaucoup de bougies. Comme si elle faisait une ronde autour d'Anna. Ma femme est devenue folle de jalousie. Foutue bonne femme. Elle était incapable d'égaler le charme d'Anna. Personne n'aurait jamais pu égaler Anna. Des bougies, un océan de bougies. Elles transpercent les yeux. Je me souviens de ce qui s'est passé comme si ça venait juste d'arriver. La bougie soulignait son corps de marbre, si blanc et si pur. Cette femme a osé la défigurer avec un marteau. Maudite soit-elle, mon corps en tremble encore de rage. Il a tué sa femme et puis il l'a foutue au feu, c'est ça l'idée? Je t'ai finalement trouvé. Ma chérie. Je devais le faire. J'aurais dû. Tu criais. Je ne pouvais plus le supporter. Maintenant je suis là. Je les protégerai. À jamais. C'est ici, c'est maintenant que je rencontre ma destinée. Plus personne ne nous séparera. Tu es aussi belle que dans mes souvenirs. Et je t'aime encore. Vous avez obtenu Anna, mon amour. Bilan de fin de partie. Intuition 25 sur 33. Note 28. Ouais, j'ai toutes les notes. 13 sur 16 pour les bouquins, me manque 3. Événement vu 6 sur 16. Fin, la vérité. Ah, apparemment, j'ai la bonne fin. Fin déverrouillée 3 sur 8. Total 72%. Méthode du sabotier 2 sur 5. Donc, du coup. Du coup. C'était celui-là. J'aimerais juste voir un peu les autres fins que j'ai et qui sont possibles à cet endroit-là.
Mon objectif, c'est qu'ils soient tous à terre. Ça, quand j'appuie. Toi, tu te plies, ok. Toi, t'es à terre, c'est bien. Si je te fais toi, ça ne m'aide pas. Tout à terre. Et tous debout. Alors attendez, parce que en vrai. Au centre, deux fois. J'avais donc du bol. Je vais recharger mon truc. Je laisse me prendre la tête en fait. Hop, bon, donc, mannequin du centre. Appuyez deux fois. Celui à sa gauche. Une. Dernier mannequin à droite. Trois. Deux. Un. Aïe. Deux. Voilà. Hop. Voilà, c'est un voyage. Je vais refaire une sauvegarde plutôt ici, parce que ça m'emmerde de devoir me retaper à chaque fois ce machin. Je vais le mettre là, hop. Alors, on va voir ce qui se passe déjà si je mets le masque. J'imagine que ça va me tuer, hein, mais... Hop. Ce n'est pas toi, Anna. L'état du sabotier enfermé. Vu le cri, je pense qu'il est mort. Petite cinématique. Très silencieuse. Je suis devenue un mannequin? Je suis devenue un mannequin? Oui, j'ai réussi. Là, je teste les différentes fins. J'ai toujours pas compris pourquoi j'ai réussi, hein, mais j'ai réussi. Alors, donc ça, c'est fin, la méthode du sabotier. D'accord, donc celui qui avait le masque
C'était le sabotier. Donc j'ai récupéré le masque sur le sabotier. Crois que je commence à comprendre un peu ce bazar. Donc de là. Je retourne là. Alors, fin 1, je vais mettre sur moi. La vérité, c'est bon. Là, c'est N envers Anna. Hop. Me laissez passer, oui, merci. Tiens, tu disais N envers Anna et Anna et quoi? Menace. Crois que j'avais déjà fait. Oh non, j'avais déjà fait ça. Donc à la limite, il s'agirait de ne pas aller dans le truc. Dôme d'ombre, qu'est-ce qu'il protégeait? Qui l'a bâti? Je progresse, le dôme semble de plus en plus proche. Ça disait qu'il y aurait un document ici sur le chemin. Non, mais je crois que de toute façon, j'ai toutes les fins que je pourrais avoir. Il y a des fins qui dépendent de ne pas avoir fait certains liens, etc. Oh non, ça va me remettre la même fin. Bon. Est-ce qu'il devrait y avoir un bouquin ici? Moi je le vois pas. Hein. Ah si, là. Contrat. Hop. Contrat, c'est quoi? Ayas, 10 août 1996. Par la présente, je sous-signais Giovanni Chasseur, désigné ci-après comme le propriétaire, loue l'étage de cette propriété meublée aux parties concernées. Le locataire et les personnes vivant avec lui, une femme et deux enfants de moins de 12 ans, n'ont pas le droit de visiter les étages inférieurs de la scierie, qui ne sont pas inclus dans le contrat de location. Ils ont également interdiction de passer par l'escalier menant, il est en très mauvais état. Juste ça, et je pense que le reste. C'est la même chose. Je pense.
faire une tâche. Et donc ça c'est fait. J'imagine que quoi qu'il arrive, ça n'a pas d'intérêt de retourner par là. Un an plus tard, voilà un nouveau jeu terminé. Ça n'a pas été sans mal. Ils sont en frustration. On a bien compris, tu as tué ta femme, tu as brûlé ses restes, et tu as visiblement tué tes gosses avec. C'est vrai que la statue est vraiment magnifique. Et ça, c'est extrêmement triste. Après, on va peut-être chercher un fond de vérité là-dedans. Pour toujours, ça ne veut rien dire. Bon. Bah du coup, j'ai trouvé un 14e bouquin sur 16. Et nous avons officiellement terminé Anna. Oui, je fais une bande son. Hop. Hop. Merci PlayStation Plus. Et bah heureusement que j'ai lancé le stream parce que sinon on loupait la fin. J'ai bien fait de tenir le coup. Sur ce, je vais m'arrêter pour cet épisode qui aura quand même duré 31 minutes. Hein. Mais bon, j'ai essayé de faire différentes fins. Finalement, il n'y en avait que deux, mais c'est déjà ça de prix. Bon. Si on doit résumer tout ça, le jeu était plutôt cool. Bon, graphiquement, c'est pas. C'est pas une révolution, mais ça fait le taf. En termes de gameplay, il y a du pour, il y a du contre, mais ça reste sympa. L'histoire, je la trouve vraiment très cool. J'aime bien quand il y a plein de fins possibles. Bon, finalement, je sais qu'il y a des fins que je pouvais avoir en sortant simplement et en repartant avant d'avoir fait la fin. Je suis même pas sûre de les avoir faites. Il y a une fin aussi où juste je perds toute ma santé mentale que je n'ai pas vue. Je vous cache pas que j'ai pas envie de tourner en rond à la recherche d'événements jusqu'à tomber à 0% de santé mentale juste pour l'avoir. Mais voilà. Du coup, prochaine étape, Amnesia The Bunker, qui promet d'être relativement flippant, et auquel je jouerai donc probablement le soir dans le noir, parce que j'aime bien me faire du mal visible. N'hésitez pas si vous arrivez jusque-là. À aller faire un tour sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok. Sur ma chaîne YouTube, il y a les rediffs de tous les jeux auxquels je joue. Sur ma chaîne TikTok, il y a tous les jours un extrait qui dure environ 45 secondes, des moments forts des jeux auxquels j'ai joué, si on peut dire. Donc sur YouTube, tout est bien rangé dans des petites playlists.
Sur TikTok, c'est une vidéo tous les jours à 7 h. Je vais peut-être bientôt changer l'heure, mais de toute façon, ça ne changera pas grand-chose pour si un jour quelqu'un tombe sur cette vidéo, parce que ça aura sûrement changé 10 fois depuis. Moment fort sur TikTok parce que je râle, parce que je rage, parce que j'ai peur, parce que je dis des conneries, parce que j'ai des fails, parfois parce que je réussis des trucs et je suis un peu fière. Il y a un peu toutes sortes de jeux, toutes sortes de moments forts. J'essaie de faire en sorte que ça puisse plaire un peu à tout le monde. Et pareil sur YouTube, les jeux auxquels je joue, il y a un peu tout. Il y a des jeux d'horreur, il y a des FPS, il y a des jeux narratifs, il y a des jeux de plateforme. Je sais plus. Mais il y a des trucs. Il y a même des trucs en binôme avec mon homme. Et parfois, je lui fais remarquer qu'il joue mal. Et parfois, je boude parce que je joue mal. Voilà. N'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, n'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous recommanderiez comme jeu qui n'est pas encore dans mes playlists YouTube. Et comme ça, je verrai si je pourrais me lancer dans de nouvelles choses. Mais ce sera après Amnesia, j'essaie de ne faire qu'un jeu à la fois en dehors des jeux en binôme pour réussir à terminer les jeux. Et comme quoi, même quand j'ai laissé tomber un jeu, je n'en démords pas. Un jour ou l'autre, j'y retourne. Ça m'a pris un an. Et là, j'ai absolument pas mis mon truc d'ending. Donc, vous voyez totalement l'écran du chat. C'est pas grave. L'écran du chat, l'écran de Streamlabs. Comme ça, vous voyez comme c'est joli, Streamlabs. Voilà. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Donc, bye bye!